Dans la paracha de cette semaine, lorsqu'on nous relate le mariage entre Yitzhak et Rivka, on nous dit Vaivi Eha Ha'ohela Saraimo. Donc on nous dit que Yitzhak a amené Rivka dans la tente de sa maman, Ha'ohela Saraimo, dans la tente de Sarah. Et nos sages s'interrogent sur la formule de cette phrase Vaivi Eha Ha'ohela, il a amené dans la tente. Saraïmo, Sarah sa mère. On aurait dû dire la tante de Sarah. Pourquoi on nous dit, il a amené dans la tente Sarah sa mère. La formule n'est pas très adaptée a priori. On aurait dû dire, vaivi eha ha ohela shel Saraïmo, dans la tente de Sarah sa mère. Là il y a marqué, il a amené dans la tente Sarah sa mère. Nous disent Chazal, vaivi eha ha ohela Saraïmo, lorsque Yitzhak a accompagné Rivka, il s'est reproduit dans la tente les phénomènes qu'il y avait du vivant de Sarah. Comme si elle était elle-même Sarah, comme si Sarah donc était revenue, les mêmes phénomènes se sont reproduits. Vaivi, Eha, Ha'ohela, il l'a amené dans la tente, pas de Sarah. Sarah Imo, et on avait l'impression que c'était Sarah, puisque les phénomènes qu'il y avait durant la vie de Sarah se sont reproduits. Quels étaient donc les phénomènes qu'il y avait durant la vie de Sarah qui se sont reproduits? Chazal nous disent Ner Dalouk Me'erev Shabbat La Erev Shabbat, c'est-à-dire qu'il y avait une lumière qui brillait de Erev Shabbat, une bougie qui brillait de Erev Shabbat à Erev Shabbat. Pendant une semaine non-stop, il y avait une lumière miraculeuse dans la tente de Sarah. Bracha Shruya Be'isa, il y avait une bracha particulière dans la pâte. Et Hanan Hala Ohel, il y avait aussi une nuée au-dessus de la tente. Voilà donc les trois phénomènes qu'on va essayer d'expliquer, qu'il y avait durant la vie de Sarah, et qui se sont reproduits lorsque Rivka revient. C'est pour ça qu'on nous dit, Vaivi Eha Ha'ohela, et il s'est avéré que Saraïmo, pas de Sarah, il ne s'agit pas de définir à qui appartenait la tente, mais quel fut le résultat. Le résultat fut Saraïmo. Pourquoi ces miracles existaient dans la maison de Sarah? Alors on va essayer d'expliquer qu'est-ce qu'ils symbolisent ces miracles. Et qu'est-ce qu'ils symbolisent pour nous dans le quotidien? Deux étapes. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'ils évoquent ces miracles? Pourquoi ces phénomènes, plus que notre phénomène, qu'est-ce qu'ils signifient? Et dans notre quotidien, comment on peut, quelque part, les reproduire? Comment est-ce qu'ils nous impliquent dans notre quotidien? Le Shem Mishmuel nous fait remarquer que les miracles qu'il y avait, les phénomènes qu'il y avait dans la tente de Sarah, sont exactement les phénomènes qu'il y avait dans le Mishkan. Dans le Mishkan, il y avait Ner Maharavi, il y avait dans la menorah une flamme qui brillait constamment, qui brillait beaucoup plus longtemps que les autres. Ça, c'est en parallèle avec Ner Dalouk, mais Erev Shabbat, la Erev Shabbat. Donc une lumière, une bougie qui brillait de Erev Shabbat à Erev Shabbat, c'est le parallèle de cette flamme dans le Mishkan qui brillait très longtemps. Bracha Shruya Be'isa, donc il y avait une bénédiction particulière dans la pâte, qu'on va essayer d'expliquer tout de suite, ça, c'est en parallèle au Lechem Apanim. Vous savez que dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, mais dans le Mishkan, il y avait Lechem Apanim. Lechem Apanim, c'est le pain qu'on disposait sur le Shulchan. Et quand est-ce qu'on le disposait ce pain? Quand est-ce qu'on le cuisait? Quand est-ce qu'il était mangé? On le cuisait Shabbat. Et quand est-ce qu'il était consommé? Shabbat d'après. Toujours chaud. Et il était encore chaud, exactement, il était encore chaud. Donc on le disposait Shabbat, puisque les Mishmarot, c'est-à-dire qu'il y avait une nouvelle équipe de Kohanim chaque Shabbat qui s'interchangeait, Shabbat, donc il y avait une équipe de Kohanim qui rentrait, et l'équipe qui avait travaillé durant la semaine précédente et qui allait travailler durant la semaine qui suit, deux équipes se partageaient le Lechem Apanim. Et ce Lechem Apanim, normalement, lorsqu'on laisse un pain sur la table, sur une table pendant une semaine, il n'est pas très appétissant, il est dur. Bien que certains diront que le pain n'est dur qu'à gagner, mais en tout cas, il était a priori pas très appétissant. Mais il y avait un miracle. Il y avait un miracle que la chaleur du pain, lorsqu'il sortait du four, continuait d'accompagner ce pain jusqu'au moment où les Kohanim mangeaient ce pain. Donc il y avait une bracha dans ce pain. Il était cuit Shabbat, oui, des cuits Shabbat. Dans le Beth Amikdash, on pouvait faire des mlachot, des korbanot. Vous savez que dans le Beth Amikdash, on faisait des korbanot Shabbat. C'est-à-dire qu'on fait ce qui, à l'extérieur du Beth Amikdash, constitue une transgression du Shabbat.
dans le Beth Amikdash, c'est un respect du Shabbat. C'est-à-dire que quelqu'un qui abat une bête à l'extérieur du Beth Amikdash, c'est un av mlacha. Et lorsque, dans le Beth Amikdash, pas simplement on abattait les bêtes qu'on avait l'habitude de faire, mais en plus il y avait le moussaf. Vous savez pourquoi on prit une fila de moussaf Shabbat? Moussaf, c'est un rajout. Pourquoi on prit une fila en plus Shabbat? Et quand est-ce que on prit cette fila de moussaf? On prit cette fila de moussaf lorsque dans le Beth Amikdash, il y avait des korbanot en plus. Alors nous aussi, rajoutons une fila. C'est-à-dire que les tfilotes sont parallèles aux korbanotes. Et lorsqu'il y a, chaque jour, dans le Beth Amikdash, il y avait au moins deux korbanotes. Quotidien, le matin et en fin d'après-midi. Shacharit, mincha. Deux korbanotes, deux tfilotes qui ont été instituées en parallèle. Shabbat aussi, il y avait les korbanotes. Mais pas simplement il y avait les korbanotes de chaque jour, les deux quotidiens, mais il y avait le moussaf. Moussaf, donc des korbanotes qu'on rajoutait. Donc dans le Beth Amikdash, on faisait la shrita. On approchait le korban sur le misbéar, on cuisait le pain du lechem à panim. Donc ce pain-là gardait toute sa saveur, mais erev Shabbat, l'erev Shabbat. Donc il y avait une bracha dans ce pain, et dont le parallèle dans la tente de Sarah était bracha shruya be'issa, c'est-à-dire qu'elle pétrissait ce pain, et ce pain et continuait à garder sa saveur tout au long de la semaine, et pas simplement ça, il y avait une grande bracha, c'est-à-dire qu'il y avait une bracha qu'on va essayer d'expliquer tout de suite. Ça, c'est le second miracle qu'il y avait, phénomène qu'il y avait dans la tente de Sarah, parallèle au Mishkan. Évidemment, dans le Mishkan, il y avait, comme c'est marqué dans Shemot, Perekmem, il y avait une nuée au-dessus du Mishkan, constamment. Lorsque les Bnei Israël voyageaient, il y avait donc cette nuée qui les accompagnait. Lorsqu'ils campaient, la nuée se posait au-dessus du Mishkan. Donc, au-dessus de la tente de Sarah, il y avait aussi une nuée. Hanan. Donc c'est, tous ces miracles, tous ces phénomènes, en fait, évoquent les phénomènes qu'il y avait dans le Mishkan. Quelque part, Sarah avait su créer dans son intérieur un petit Mishkan. C'est pour ça que les phénomènes qu'il y avait dans le Mishkan, étaient dans la tente de Sarah. C'est pour nous faire le parallèle qu'il y a, lorsqu'il y a Asherat Ashrina, pour qu'il y ait Asherat Ashrina, comme on va tout de suite le voir, il faut créer le contexte qu'il y avait dans le Mishkan. Les phénomènes qu'il y avait dans le Mishkan commencent chez Sarah et se reproduisent aussi dans le Mishkan. Donc ce qu'on retient avant de développer, c'est que lorsque Yitzhak a amené Rivka dans la tente de Sarah, se sont reproduits ces phénomènes parce que Sarah était dans les dispositions où elle aussi allait créer dans son chez-soi un petit Mishkan. Exactement comme Sarah. Et c'est pour ça que les phénomènes qu'il y avait dans la tente de Sarah se sont reproduits lorsque Yitzhak a ramené Rivka. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi c'est si important de créer chez soi un Mishkan. Et dans un second temps, on verra aussi comment on le fait. Pourquoi c'est si important de créer chez soi un Mishkan? Alors voyons. Quelle est la source de bracha que nous apporte une maison qui est considérée comme un Mishkan? Chaque jour, dans les tfilot, on dit « Refaenu Hashem, venerafe »« Hoshiaenu, venivashia » Et la formule est curieuse. « Guérinu Hashem » et on sera guéri. Sauve-nous, et on sera sauvé. Bizarre. S'il nous guérit, effectivement, Baruch HaShem, on le sera. Était-il nécessaire de dire, guéris-nous, vénérafé, et on sera guéri. Refaïnou HaShem, Hoshiaïnou, Kitehilatenu Ata. Pourquoi on nous dit, pourquoi on prie HaShem, guéris-nous, afin que l'on soit guéri. Sauve-nous afin que l'on soit sauvé. C'est une formule qui est redondante, a priori. Si on est guéri, eh bien, effectivement, on l'est. Le Zohar HaKadosh pose la question. Et le Zohar HaKadosh apporte la réponse suivante. Il nous dit, Hachem peut envoyer la refoua, Hachem peut envoyer la Yeshua de deux façons. Il peut intervenir, entre guillemets, personnellement, pour apporter une refoua. Et il peut intervenir par le biais d'un chaliar. D'un envoyé, Hachem peut envoyer un malhar qui va guérir. Deux façons pour Hachem d'intervenir dans la guérison d'une personne. Deux façons pour Hachem d'intervenir dans la Yeshua d'une personne. Par lui-même, personnellement, qui vient Chol, ou il peut envoyer aussi un chaliar. Nous dit le Zohar HaKadosh, si Hachem, lorsqu'Hachem intervient personnellement dans une refoua, la refoua est éternelle. Il n'y a Khalila aucune récidive. Si Hachem envoie un chaliar, n'intervient que par le biais d'un chaliar, alors Khalila, ça peut être Khalila, une guérison temporaire. Lorsqu'Hachem intervient dans une Yeshua, c'est une Yeshua olamite, une Yeshua pour toujours.
lorsqu'Hachem intervient par le biais d'un chaliar, alors ça peut être Khalila, une Yeshua temporaire. C'est pour ça, une Yeshua, un salut. Oui, j'ai compris. Ça veut dire, par exemple, trouver un métier, trouver une parnassa, plusieurs sortes de Yeshua, beaucoup de Yeshuot. Nous libérer de ceux qui, Khalila, nous agressent, etc. Ça aussi, c'est une Yeshua. Donc, quand on prie dans la tefila, on demande à Hachem, refais-nous Hachem, on demande à Hachem, s'il te plaît, interviens personnellement dans la refoua. Refais-nous Hachem, afin que cette refoua soit une refoua éternelle. Vénérafé, ça veut dire afin que cette refoua tienne. Hoshiaenu, que Hachem intervienne personnellement dans le cadre de cette Yeshua, afin que Venivashéa. On ne vient pas simplement dire le résultat de la guérison, on sera guéri. Évidemment que si il nous envoie la guérison, on le saura. Mais on demande à Hachem d'intervenir personnellement, afin que cette refoua sera vénérafée, afin que ce soit une refoua qui dure. Vénérafée signifie que cette refoua dure pour toujours. Hoshiaenu, venivashéa, kitehilatenuata. Lorsqu'Hachem intervient, c'est toujours une refoua olamite. Lorsqu'Hachem intervient, c'est toujours une Yeshua olamite. Lorsqu'on crée le contexte d'un Mishkan, nous avons toujours tout intérêt à ce qu'Hachem intervienne personnellement. Lorsqu'on crée le contexte d'un Mishkan, on permet à Hachem d'entrer dans nos demeures. Lorsqu'on crée un contexte accueillant, qu'est-ce que le Mishkan? Le Mishkan, c'est une maison d'accueil pour Hachem. Quand Hachem demande au Bnei Israël, construisez-moi un Mishkan, alors le Midrash nous rapporte l'anecdote suivante. Il nous dit, Hachem demande, Veikrouli Trouma, Veikrouli, qui me prennent un prélèvement. Vous voyez aussi, donc c'est au début de Parashat Terouma, lorsqu'Hachem sollicite les Bnei Israël pour le prélèvement afin d'ériger le Mishkan, il y a marqué Veikrouli Terouma, qu'il me prennent un prélèvement. Voyons que la formule ne paraît pas a priori parfaite. Veikrouli Terouma, nous dit le Midrash, pourquoi on nous dit qu'il nous prennent un prélèvement? Nous dit le Mishkan ainsi. Un jour, un roi avait une fille unique qu'il aimait particulièrement. Il cherchait un prince très charmant pour cette princesse et il l'a trouvée. Le mariage est organisé, les festivités battent leur plein, mais il y a toujours l'après-mariage. Et lorsque le prince vient dire au revoir à ce roi va lui dire ainsi, il va lui dire, ma fille que je t'ai donnée en mariage, je ne peux pas m'en séparer. Te dire de ne pas la prendre, c'est impossible. Mais m'en séparer non plus, je ne peux pas. En conséquence, crée-moi un contexte, crée-moi une petite demeure dans laquelle je pourrais résider et ne jamais quitter ma fille quelque part, toujours être proche d'elle. Hachem, lorsqu'il a donné la Torah au Am Israël, nous dit le Midrash, il ne voulait pas quitter la Torah. Là où il y a la Torah, il y a Hachem. Donc il demande au Am Israël, Vikrouli Teruma, qu'il me prenne, qu'il m'accueille, qu'il me prenne, qu'il me permette de résider parmi eux, avec leur contribution. Hachem attend de résider dans les tentes du Ham Israël, attend de résider parmi le Ham Israël. Veikrouli, on ne parle pas de prendre le prélèvement. Veikrouli dit Hachem, qu'ils me prennent à moi, qu'ils m'accueillent à moi à travers leur contribution à l'érection du Mishkan. Ça, c'est le désir d'Hachem. Il est marqué Kol Dodi Dofek, vous connaissez ce pasouk dans Shir HaShirim, Kol Dodi Dofek Pitrili, Achoti Rayati Yonati Tamati. Hachem tape à notre porte. Kol Dodi, mon bien-aimé, frappe à ma porte. Kol Dodi Dofek, Pitrili, Achoti Rayati. Hachem tape à notre porte et il attend impatiemment qu'on lui ouvre cette porte afin de pouvoir résider dans nos demeures. Et qu'est-ce que ça veut dire ouvrir une porte à Hachem? Ça veut dire mettre une mezouza de 50 cm, c'est tout. S'il y a la mezouza de 50 cm, il y a Hachem? Non, c'est insuffisant. Hachem attend qu'on crée le contexte de Kdusha, de Tahara, afin qu'il puisse venir résider. Imaginons, pour être très concret, imaginons que Rav Steinman vienne vous rendre visite. Hein? Rav Steinman, Alva, il vient vous rendre visite. Alors, dans la maison, on va apporter certaines corrections. N'est-ce pas? Il y aura des choses qu'on va peut-être mettre sous le lit, d'autres dans l'armoire, à double tour. Rav Steinman, au moins, il peut rentrer, c'est bon. Ça, c'est bon, peut-être, pour Rav Steinman. Mais, pour Hachem, ça ne suffit pas de mettre sous le lit et dans l'armoire, fermé à double tour.
Hachem n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on lui ouvre notre porte. C'est quoi ouvrir notre porte? C'est quoi ouvrir notre porte? C'est créer le contexte adéquat, l'accueillir. Hachem veut venir, il attend, il toque à notre porte. Kol dodi dofek pitrili. Il attend qu'on lui ouvre notre porte pour venir résider. Et lorsqu'il vient résider, c'est un mishkan. Lorsqu'il vient résider, Hachem intervient dans la refoua, si besoin. Khalila, et donc il apporte une refoua olamite pour toujours. Lorsqu'on a besoin d'une Yeshua, et qui n'a pas besoin de Yeshua? Hachem, lorsqu'on crée le contexte idéal dans nos demeures, il entre. Et il apporte une Yeshua olamite, éternelle. Donc Sarah, Rivka, avait su, évidemment, créer ce contexte de Mishkan. Lorsqu'ils avaient su créer ce contexte de Mishkan, Hachem était dans leur demeure. Hachem était dans leur demeure. Les phénomènes qu'il y avait dans le Mishkan existaient aussi sous leur tente. Voyons aussi un petit peu un exemple peut-être le plus célèbre de l'histoire dans le Tanakh. À quel point, lorsqu'Hachem pénètre, il y a une bracha qui déborde. C'est l'histoire que vous connaissez très certainement de la Shunamite. La Shunamite, d'ailleurs, c'était l'Haftara de la semaine dernière. La Shunamite, c'était une femme d'envergure qui voulait absolument accueillir Elisha. Donc c'était le tzaddik de l'époque, le navi de l'époque. Elle demande à son mari, faisons Aliat Kir Ketana, faisons un petit étage, afin que Elisha, qui passait par cette ville de Shunam, lorsqu'il passe dans cette ville, on puisse l'accueillir tranquillement, qu'il ait donc ses aises. Voilà donc ce que demande la Shunamite à son mari. Naaseana, souvenons-nous de la formule de la Shunamite, Naaseana Aliat Kir, faisons un petit étage. Et lorsque la Shunamite donc, propose cela à son mari, elle lui dit, qu'est-ce qu'on va faire dans ce petit étage pour Elisha? Nasim Sham, Mita, Shulchan, Kise et Menorah. On va placer là-bas donc un lit, une table, et une chaise et une lampe. Le Gaon de Vilna soulève la remarque suivante. Qu'est-ce que Elisha utiliserait le moins parmi ses accessoires? Le lit. Le lit. Très bien. Le lit, donc il utiliserait le moins le lit, n'est-ce pas? Rav Eliashiv, vous connaissez l'histoire avec Rav Eliashiv? Rav Eliashiv se levait chaque jour à 2h du matin. Chaque jour. Chok velo yavor. Et il étudiait jusqu'à la tfila, 6h30. Et même lorsque, en hiver, des fois, il y avait des pannes d'électricité, il y a des photos où on le voit allumer une bougie et à 96 ans, coller la page de Gemara à ses yeux pour voir, pour pouvoir étudier. Hein, déjà, se lever à 2h, le moindre prétexte nous décourage. S'il y a une panne d'électricité, bon, on remettra ça demain. Mais non, l'homme grand, le gadol, lorsqu'on parle d'un homme grand, gadol, c'est l'étymologie du mot gadol, c'est gdotanar, la constance. Ce qui fait le grand, la marque des grands, c'est leur constance. Katan, c'est katua, fragmentaire. Donc, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait l'électricité, qu'il n'y en ait pas. Il se levait à 2h du matin. Et il y a une anecdote qui est rapportée par sa fille, la rabbinite Zilberstein, Zichrona Livracha, qui a été prononcée dans, dans son espède par son mari, le rav Zilberstein, vous avez peut-être entendu parler, un très grand rav de Bnei Brak. Il dit que sa femme lui racontait l'anecdote suivante concernant son père, le Rav Eliashiv. Il dit que quand elles étaient petites, donc il y avait Ben Porat Yosef, beaucoup de petites filles dans la maison de Rav Eliashiv. Et il n'y avait pas suffisamment de lits, de pièces. Il n'y avait pas de place pour mettre trop de lits. Donc elles dormaient, les sœurs, tête et queue. Et elle raconte, la rabbinite Zilberstein, que chaque jour, chaque nuit plutôt, à 2h du matin, son père se levait et il venait la chercher dans le lit où elle dormait dans la queue de sa sœur pour la mettre dans son lit. Et elle raconte qu'elle s'endormait sur ce avec le chant de Gemara de son père. Et elle disait que c'était un moment fabuleux pour elle. Donc Rav Eliashiv se levait toujours, tout, comme ça a été dans l'histoire, toujours les grands, se levait très tôt pour étudier jusqu'à la tfila. Donc le Gaon de Vilna nous fait remarquer, lorsque la Shunamite propose à son mari de créer cet espace d'Elisha, l'emploi est marqué Mita, Shulchan, Kise et Menorah. Mita, c'est ce qu'il utiliserait le moins. Kise, Shulchan, Menorah, ok. Mais Mita,
Nous dit le Gaon de Vilna, en fait, Mita Shulchan Kiseh Menorah, c'est le Rashi Tevot de Mishkan. Mita Shulchan Kiseh Ener, c'est le Rashi Tevot de Mishkan. Ce que la Shunamite voulait créer, c'est un petit Mishkan. Un petit Mishkan grâce à Elisha. Lorsque Elisha viendra résider dans cette pièce, elle aura créé un petit Mishkan, un petit Bet HaMikdash. Lorsque ce petit Bet HaMikdash sera mis en place, naîtra de façon miraculeuse un enfant à cette Shunamite. La Shunamite va avoir un enfant de façon miraculeuse. Parce que des fois, dans le cadre de la nature, les difficultés sont, les possibilités sont restreintes. Alors il faut favoriser le Nes, il faut favoriser le miracle. Des fois, dans le cadre des lois de la nature, les possibilités sont restreintes. Et on doit avoir recours au miracle. Pour avoir recours au miracle, il faut créer un contexte, ouvrir grand la porte à Hachem. Ouvrir grand la porte à Hachem, parce qu'on a besoin d'une intervention accrue, personnelle. Donc, lorsqu'on crée ce Mishkan, lorsqu'on crée cet endroit adéquat à la résidence d'Hachem, donc il intervient. Lorsqu'il intervient, alors, comme dans le cas de Sarah, alors va naître chez la Shulamite un enfant de façon miraculeuse. Encore un dernier petit exemple avant de développer encore plus. Dans la Gemara. Il y a une histoire dans la Gemara où on va voir aussi à quel point créer ce contexte fabuleux de Mishkan adéquat à la résidence d'Hachem, qui était celui qu'a su créer Sarah, Rivka. C'était ce coin, ce Mishkan qui a offert à la Shunamite un enfant de façon miraculeuse. C'est aussi quelque chose qui va guérir le roi Chizkia de façon miraculeuse. Observons une petite anecdote rapportée dans la Gemara, dans le traité Brachot, page 10. La Gemara nous dit comme ça, un jour, le Navi Yesharia va rendre visite au roi Chizkia. Alors le roi Chizkia, dans l'histoire des rois de Yehuda, c'était un roi des plus tzadikim, un roi fabuleux. Un roi qui a considérablement œuvré pour développer la Torah. On raconte qu'à son époque, même le petit enfant maîtrisait parfaitement les lois les plus ardues de pureté et d'impureté qui sont difficiles. Donc Chizkia avait beaucoup œuvré pour le développement de la Torah. Malheureusement, très jeune, il tombe gravement malade. Le Navi Yesharia vient le voir et lui dit, voilà, tes derniers moments sont arrivés. Là, il s'agit d'un prophète qui vient annoncer au roi d'Israël que c'est pour lui la fin. Et le roi Chizkia dit à Yesharia, mais pourquoi? J'ai tellement œuvré, dit Chizkia, au développement de la Torah. Pourquoi, père, les choses arrivent? Le Navi Yesharia, le prophète, va lui dire comme ça. Parce que tu n'es pas marié, tu n'as pas œuvré pour amener un enfant au monde. Il dit, mais tu sais très bien pourquoi je n'ai pas fait ça. Parce que je savais, Beruach HaKodesh, que l'enfant qui naîtra sera un rachat. Donc il a renoncé au mariage par crainte que l'enfant qui naisse, il savait, Beruach HaKodesh, sera un rachat. C'est grand. Yeshaya lui dit, mais tu as tort, Chizkia. Tu n'as pas à chercher à entrer dans les coulisses entre guillemets des plans divins. Tu dois faire ce qui t'incombe sans chercher plus loin. Alors là, Chizkia va lui dire, ok, j'accepte le reproche. S'il te plaît, donne-moi ta fille en mariage, afin que peut-être lorsqu'on va conjuguer mes mérites, les tiens, l'enfant qui naîtra sera un tzaddik. Et Yesharia l'observe et lui dit, mais Chizkia, tu n'as pas entendu ce que je viens de t'annoncer? Que c'est les derniers instants, tu es en train de projeter un mariage. Sur ce, Chizkia va réagir avec beaucoup de force et va prononcer une phrase qui va devenir célèbre. Il lui dit, donc là Yeshaya dit à Chizkia, de quoi tu parles? Mariage, je viens t'annoncer que c'était les derniers instants. Chizkia va dire à Yeshaya, Ben Amotz. Yeshaya donc s'appelait Ben Amotz, son père s'appelait Amotz. Je t'invite à sortir. Parce qu'on a un enseignement qui passe chez nous de père en fils. Afilu cherev chada munachat al tzavaro shel adam al yitiaesh al yimna atzmo min rachamim. Même lorsqu'un glaive tranchant est posé sur le cou d'une personne, qu'il ne renonce jamais à la miséricorde. Donc c'est vrai, Yitzchizkia était malade. Mais là Yeshaya l'empêche d'espérer, l'empêche de prier. Je te demande de sortir, dit Yitzchizkia Yeshaya. Yeshaya sort. La rencontre est finie. Donc nous avons ici un prophète qui annonce à un roi que sa fin est proche. Le roi, là c'est une prophétie, c'est pas un médecin, c'est un prophète.
le roi Chizkia ne baisse pas les bras. Il ne baisse pas les bras. Vayasev Chizkia panav el akir. Il se tourne vers le mur. Il prie. Et il sera exaucé. Il a effacé la prophétie. Alors, le Rambam nous dit qu'une prophétie négative peut être effacée par la Tfila. Une prophétie positive ne peut jamais être effacée par l'Averot. Cette prophétie négative de Yeshaya va être effacée. Vayasev Chizkia panav el akir. Chizkia va se tourner vers le mur et va se mettre à prier. Et Chazal, là on arrive donc au petit Mishkan. Chazal soulève pourquoi il y a marqué que Chizkia se tourne vers le mur. Lorsque dans le Tanar, on nous parle de Tfila, on nous dit Vayit Palel. Pourquoi on nous dit Vayasev Chizkia panav el akir? Chizkia se tourne vers le mur. Ça veut dire quoi? Il se tourne vers le mur. Alors c'est vrai que c'est bien de prier face à un mur afin de ne pas être distrait. C'est vrai. Mais pourquoi ici plus que partout ailleurs c'est marqué? Nous disent nos sages. Parce que Chizkia, faisons bien attention, a évoqué pour sa guérison l'étage, le Aliyat Kir de la Shunamite. N'est-ce pas? La Shunamite avait créé une Aliyat Kir qui lui avait donné un enfant, qui lui avait même permis de rendre vie à cet enfant, pour celles qui connaissent l'histoire. Donc Chizkia demande à Hachem, se tourne, son espoir, c'est l'étage, cet Aliyat Kir créé par la Shunamite. Et il dit à Hachem, si déjà la Shunamite, qui n'a créé qu'un petit espace, certes important, mais petit, tu as rendu la vie à son fils, moi, dit Chizkia, mon grand-père, Shlomo Ameler, puisque Chizkia était la descendance de David Ameler, Shlomo, qui a créé le Beth Amikdash, un grand endroit pour toi, a fortiori que tu dois rendre la santé à son enfant. Donc ça veut dire qu'on voit ici que créer un Mishkan pour la Shunamite, créer un Beth Amikdash pour Shlomo Ameler, c'est ça qui donne la vie, qui rend la santé de façon miraculeuse. Chizkia, imaginez un prophète, prenons donc l'ampleur de l'annonce. C'est pas un médecin. Un médecin, il se trompe des fois. Mais un prophète ne se trompe pas. Donc ça veut dire qu'il y avait un décret sur Chizkia. Cette fille-là, en évoquant ce petit Mishkan, a été totalement éradiquée. Grâce à cette fille-là, ce décret, cette névoie a totalement été éradiquée. Là, on voit encore une fois que lorsqu'on crée un Mishkan, on est zoché de façon miraculeuse à la vie. Et pourquoi ça se passe comme ça? Très simplement. Et pour voir ensuite comment nous, on peut faire ça. Ça se passe de la façon suivante. Comment on appelle le Beth Amikdash? L'un des noms du Beth Amikdash, c'est Beth Rayenu. Dans la Haftara, vous avez peut-être entendu, ceux qui chantent la Haftara disent « Rachem al Tzion » Kihi betrayenu. On demande à Hachem d'avoir pitié du Beth Amikdash car c'est la maison de notre vie. C'est-à-dire quoi c'est la maison de notre vie? C'est grâce au Beth Amikdash que l'on vit. Qu'est-ce que ça veut dire grâce au Beth Amikdash que l'on vit? Malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas de Beth Amikdash, on vit. La réponse est la suivante. Vous verrez toujours que la vie en Lashon HaKodesh est toujours au pluriel. Je crois que dans toutes les langues, c'est au singulier, la vie. Mais en Lashon HaKodesh, c'est Chayim. Chayim, c'est au pluriel. Ça veut dire parce que le juif est invité à avoir une vie avec une dimension plurielle. C'est-à-dire que il doit se rattacher à Hachem et alimenter sa neshama afin de pouvoir vivre, même lorsqu'il n'y a plus de nourriture physique. Mi shetarach be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat. Ou mi shelo tarach be'erev Shabbat, ma yochal be'Shabbat. La vie, c'est une vie qui nous permet une vie éternelle en étant alimenté par Hachem. Il y a deux chayim, ici et dans l'au-delà. Le Beth Amikdash nous permet d'être rattaché à Hachem. Vatem advekim b'Hashem elokechem, chayim kulechem ayom. Lorsqu'il y a une dvekut b'Hachem, lorsqu'il y a un rattachement à Hachem, alors la vie qui est une dimension éternelle, donc un sens pluriel parce qu'elle a une dimension éternelle, ça c'est la dvekut, c'est ça la vie. Tzadikim b'mitatam kurim chayim, rachayim b'chayim kurim metim. Donc, lorsque quelqu'un, pour être très concis, crée un lieu de chayim, parce que lorsqu'Hachem vient, nous permet d'être attaché à lui. Donc, la présence d'Hachem, c'est la présence d'une dimension de vie, au pluriel. Celui qui offre la vie au monde, Hachem lui offre la vie, de façon miraculeuse. Celui qui brise, parce que c'est difficile, des fois, de créer un espace de vie. C'est difficile, il y a beaucoup de tentations, beaucoup de faiblesses. Et des fois, il faut savoir briser sa nature pour créer cet espace de vie.
Et lorsqu'on brise sa nature pour créer cet espace de chaïm dans le monde, Hachem brise la nature pour nous offrir le chaïm. Voilà donc la grandeur des lieux de demeure des tentes, des imahot, dont on doit s'inspirer. Les imahot avaient su créer ce mishkan, Quels étaient donc les phénomènes du mishkan? Ner dolek me'erev shabbat, bracha shruya be'isa, et le hanan. Sarah, Rivka. Quand elles ont su créer ce lieu de mishkan, de hasharat hashrina, lorsqu'on s'est inspiré tout au long de l'histoire, c'est là où il y a eu le chaïm. C'est là où il y a eu la bracha, exactement comme il y avait dans le mishkan. Maintenant, voyons un petit peu concrètement comment nous devons faire. Ça signifie quoi pour nous de créer un mishkan? Alors, on va essayer de voir rapidement. Que signifient ces phénomènes? Pourquoi ces phénomènes plus que... Ça veut dire que dans la demeure, dans la tente de Sarah, il y a eu les phénomènes qu'il y avait dans le mishkan. Dans le mishkan, il y avait d'innombrables phénomènes. Pourquoi ces phénomènes spécialement se produisaient dans la tente, sous la tente de Sarah? Réponse. Ner dolek me'erev shabbat le'erev shabbat veut dire ainsi qu'il y a des moments dans la semaine, des moments dans la vie, mais surtout dans la semaine, où l'homme doit recharger ses batteries, doit se recharger pour avoir un impact, pour que ces moments aient un impact sur toute la semaine. Le shabbat, c'est l'occasion pour nous de nous imprégner de sa sainteté afin de donner un profil différent, beaucoup plus noble, au jour vulgaire donc de la semaine. Ner dolek me'erev shabbat le'erev shabbat, ça veut dire que l'éclat du shabbat, cette bougie qui était allumée depuis erev shabbat jusqu'au prochain shabbat, c'est le symbole d'un éclat du shabbat qui, malgré la semaine, continuait de briller dans les demeures de Sarah. Ça veut dire que lorsque le shabbat est vécu correctement, il rejaillit sur, quelque part, l'obscurité, entre guillemets, de la semaine. Ner dolek me'erev shabbat, il faut prendre la kdusha du shabbat et recharger grâce à cela ses batteries pour pouvoir être accompagné par l'éclat du shabbat tout au long de la semaine. Vous remarquerez que celle qui est tenue d'allumer les bougies de shabbat, c'est la femme juive. L'homme n'est pas tenu d'allumer les bougies de shabbat, c'est la femme juive qui est tenue d'allumer les bougies de shabbat. Pourquoi c'est la femme juive qui est tenue d'allumer les bougies de shabbat? Parce que, nous disent nos sages, tout cela symbole parfaitement son rôle. Voyons. La bougie de Shabbat, c'est la lumière du Shabbat. La lumière du Shabbat, elle doit s'en imprégner. Pourquoi elle plus que tous les autres? Pour que bracha shruya be'isa, afin que la bracha imprègne la pâte. C'est-à-dire, lorsque on va s'adonner à des occupations matérielles, ménagères, matérielles, on va les imprégner de kdusha. On va les imprégner de kdusha. Ça veut dire, lorsque j'ai une famille et que je vais préparer ce que je vais préparer, je vais faire ce que je vais faire pour alimenter la Torah. Pour alimenter la Torah, ça veut dire, je vais leur donner des forces. Pourquoi? Pour qu'ils fassent la Torah, pour qu'ils pratiquent les mitzvot. Alors, je vais prendre cette matière, je vais l'imprégner de kdusha. C'est-à-dire que l'éclat du Shabbat, le Shabbat est là afin de nous accompagner tout au long de la semaine. C'est ça le but du Shabbat. Le but du Shabbat est là pour nous accompagner tout au long de la semaine. Il ne suffit pas de vivre le Shabbat intensément le jour du Shabbat. Il faut que tout au long de la semaine, notre semaine soit imprégnée de la sainteté du Shabbat. Lorsque j'allume les bougies de Shabbat, la femme juive plutôt allume les bougies de Shabbat, donc en fait, elle annonce l'éclat du Shabbat. Cet éclat du Shabbat, elle doit s'en imprégner pour imprégner toutes les actions qui paraissent donc des actions... très matériel. Lorsque une femme juive prépare à manger, on a l'impression qu'elle va faire quelque chose qui n'est pas trop kadosh, hein, c'est pas un tosfot ou une gemara, mais pas du tout. Son mérite est des fois beaucoup plus grand, pas des fois, beaucoup plus grand. Pourquoi? Parce que le but, ce qu'Hachem attend, c'est qu'on prenne cette matière et qu'on lui donne un sens et une dimension spirituelle. On l'imprègne de spiritualité. Et lorsqu'on a imprégné la sainteté du Shabbat, nous pouvons donc à notre tour imprégner toutes les actions a priori ordinaires de notre quotidien de Kedusha. Et ça, faisons bien attention, ça rend vivant, ça les imprègne de Chayout, ça imprègne la pâte, symbole donc des tâches domestiques, ça imprègne la pâte de vie. C'est pour ça que dans le Mishkan, le pain ne perdait jamais sa saveur. Le pain ne perdait jamais sa saveur. Parce qu'il était imprégné, tout ce qui est vivant
continue d'être dynamique. Faisons bien attention aussi. Dans le Mishkan, il y avait trois ustensiles qui étaient ornés d'une couronne. Dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, trois ustensiles qui étaient ornés d'une couronne. Il y avait le Mizbeach Haktoret, donc le Mizbeach sur lequel on faisait les Ketoret, qui s'appelle Mizbeach Hapnimi. Il y avait le Aaron, dans lequel étaient posées les tables de la loi. Et il y avait le Shulchan, donc sur laquelle étaient posées ces tables, sur lesquelles étaient posées les pains. Trois ustensiles, trois couronnes, qui sont le symbole des trois titres honorifiques qu'il y a dans le peuple juif. Il y a le titre honorifique de la Torah, Keter Torah, symbolisé par le Aaron, celui donc qui est sage en Torah. Keter Kehuna, c'est le titre donc honorifique de la Kehuna, c'est le Mizbeach HaKetoret. Le Kohen donc offrait les Ketoret. Il y a Keter Malchut, le titre honorifique de la royauté. La royauté est symbolisée par le Shulchan. Pourquoi ? Parce que la royauté, c'est ce qui doit, subvenir aux besoins matériels aussi de notre peuple. Le Shulchan, c'était la conduite de Bracha dans le monde. La conduite de Bracha dans le Ham Israël. Ce pain-là était chaud parce qu'il était vivant, il était productif. Il envoyait la Bracha. Lorsque on s'imprègne de la Kedusha du Shabbat, alors on va rendre vivant toutes les tâches quotidiennes. On va les imprégner de Kedusha, on va les rendre vivantes et donc productives. Tout ce qui est vivant est productif. Pour qu'il y ait la bracha dans le pain, vous savez que dans le Birkat Amazon, il y a une halakha qui nous dit qu'on ne récite Birkat Amazon que s'il y a un morceau de pain posé. Il ne faut pas débarrasser toute la table et dire le Birkat Amazon est la table vide. Il faut laisser un morceau de pain et là-dessus on dit Birkat Amazon. Pourquoi ? Parce que la bracha, c'est yesh miyesh, c'est-à-dire que ce pain-là va se développer. Il va donc produire, être productif, donner encore et encore de la parnassa. Lorsqu'on est reconnaissant Hachem, on est conscient de l'origine de ce pain, donc il est productif comme une branche qu'on va rattacher à son arbre et qui va donner de bons fruits. Ce pain-là va se développer. Lorsqu'on imprègne de chayout, de chayim, c'est-à-dire que nos tâches ménagères ne sont pas des tâches vides, qui ne servent qu'à la matérialité, mais qui vont donner, on va leur donner un sens spirituel, on les imprègne de Kedusha, de Chaim. Lorsque quelque chose est vivant, il garde toute sa chaleur. C'est pour ça que le pain dans le Beth Amikdash était chaud. Et il va donc aussi se développer et donner beaucoup de pain à ça. Voilà donc pourquoi c'était les phénomènes qu'il y avait dans les tentes de Sarah. Parce que c'est des phénomènes qui sont le reflet d'une certaine conduite. C'est-à-dire que la bougie de Shabbat était allumée depuis le vendredi jusqu'à vendredi prochain dans la tente de Sarah. Pourquoi ? C'est-à-dire quoi, la bougie de Shabbat était allumée d'un vendredi à un autre vendredi ? Pourquoi ça se passait comme ça ? C'est un phénomène, un miracle. Quel est le sens de ce miracle ? Quel est le sens qui se cache derrière ce phénomène ? Parce que l'éclat du Shabbat continue à rejaillir toute la semaine. La Kedusha du Shabbat, on l'a intériorisé et on a imprégné toutes nos tâches quotidiennes avec cette sainteté du Shabbat. C'est-à-dire quoi ? Imprégner nos tâches quotidiennes avec la sainteté du Shabbat, donner un sens. Lorsqu'on oriente nos actions vers la Kedusha, vers la Torah, vers les mitzvot, alors on les imprègne de Kedusha. C'est pour ça que Bracha Shuria Beissa, grâce à cet éclat, il y avait donc le pain qui était imprégné de Bracha. Ce pain qui était imprégné de Bracha, donc voilà, il se développe et il apporte un Shefa de Parnassa. Et Anan, donc c'est la présence de Hasharat Hashchina qui amène lui-même, donc qui est à l'origine de toutes ces Brachot. Pour terminer, c'est exactement le sens que va exprimer Eliezer à Rivka dans ses cadeaux. Quels sont les cadeaux que Eliezer, lorsqu'il a compris que c'était la bonne, va donner à Rivka ? Il va lui donner un Nezem Zahav, donc une boucle sur le nez. Nezem, à l'époque c'était comme ça. Nezem Zahav, Bekar Mishkalo. La Torah nous dit le poids de cette boucle, c'était un Bekar. C'est quoi un Bekar ? Un Bekar, c'est le poids du Machatzit HaShekel. Le Machatzit HaShekel. Donc lorsque le Béni Israël contribuait pour le Mishkan, devait tous donner Machatzit HaShekel. Et il lui donne aussi deux bracelets, Shnei Tzemidim, Asara Zahav Mishkalan, 10 pièces d'or, leur poids. Nous disent nos sages, pourquoi on nous dit 10 pièces d'or ? On vient donc de donner uniquement le poids. C'est pour nous dire, Shnei Tzemidim, c'est les deux tables de la loi qui étaient donc collées, Tzemidim, Tzamoud, sur lesquelles étaient inscrites les Aseret HaDibrot. Alors,
faisons bien attention. Il lui donne d'abord quelque chose qui symbolise le martit à shekel, et ensuite il lui donne quelque chose, un cadeau qui symbolise la Aseret HaDibrot. La Aseret HaDibrot passe avant le martit à shekel a priori. Là non, le martit à shekel il lui offre et ensuite il lui donne quelque chose qui symbolise la Aseret HaDibrot. Réponse. Pour véritablement accomplir la Aseret HaDibrot, donc il faut avoir sur son visage l'éclat de cette boucle. C'est-à-dire avoir en perspective que j'ai besoin de l'assistance d'Hachem, je ne suis que moitié, je ne peux pas me suffire à moi-même. J'ai besoin dans mes actions de l'aide d'Hachem afin de les imprégner. Je ne me suffis pas à moi-même. Et donc ça, ça nous permet d'avoir une vie au quotidien, tzmidim, donc c'est sur les bras. Le nezem symbolise la perspective. La perspective, c'est qu'on ne peut pas se suffire à soi-même. L'action qui résulte de cette perspective, c'est une action imprégnée des Aseret HaDibrot. Ça veut dire que même lorsqu'on repasse, lorsqu'on fait n'importe quel plat, ça dépend dans quelle perspective on le fait. Si on le fait de perspective anodine, bon, sans véritablement lui donner un sens de Kedusha, c'est pas, ça n'a pas toute sa valeur. Mais lorsqu'on fait ce que l'on doit faire pour soutenir la Torah, pour soutenir les mitzvot, alors on rend vivant. On rend vivant, c'est plus grand, c'est plus grand, c'est plus grand ce que font les hommes. C'est pas moi qui le dis, c'est la Gemara qui le dit. Je termine là-dessus, si déjà on a touché à cela. Pourquoi c'est plus grand que ce que font les hommes? Marqué dans la Gemara, dans le traité Brachot, page 33, pour celles qui veulent le voir, parce que c'est un chidouche. La Gemara nous dit que Dola avtacha shivtichana kadosh baruch hu l'anashim, yoter mina anashim. Que la Gemara nous dit que la récompense, les promesses faites par Hachem dans le monde futur aux femmes, dépassent celles faites aux hommes. La Gemara apporte à cela donc des sources. Pourquoi? Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi la promesse faite aux femmes dépasse celle faite aux hommes? Ça veut dire que dans l'Olam Haba, la femme a une plus grande part que celle de l'homme. C'est pas moi qui le dis, c'est la Gemara. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'Hachem veut, c'est qu'on imprègne la matière. Vous savez que le Goy, lui, considère que la matière est son ennemi. Pour le Goy, oui, il se sépare totalement, ou bien il est dans la boue jusqu'au... Ça veut dire que pour le Goy, c'est ou ça, la matière est ton ennemi. Donc où tu décides de t'en séparer, et donc tu fais... Dans la Torah, la matière n'est pas l'ennemi, au contraire, la matière c'est ce qui va me compléter. C'est-à-dire la matière, je dois l'imprégner de Kedusha. Lorsque j'imprègne du Kedusha, je permets à Hachem de résider dans chacune de mes actions. B'chol derachecha da'ehu, ve'hu yeyasher ochotecha. Quand tu... Da'at veut dire chibour, rattachement. Dans chacune de tes actions, pense à Hachem. Pense que tu le fais, tu l'orientes pour la Torah, pour les mitzvot. Et là, Hachem t'aidera, il te guidera. Lorsque on réalise cela, on réalise à Hachem une demeure ici-bas. Lorsqu'on réalise une demeure ici-bas, c'est ça le but. C'est ça le but. C'est plus difficile. Parce que lorsqu'on est confronté à la matière, ça paraît peut-être un peu plus anodin. Mais pas du tout. C'est ça le but de la Bria. Le but de la création, c'est de créer à Hachem une demeure. Vous connaissez la phrase du Tania, très célèbre. V'zé kol adam v'tachlit briyato, briyat kol olamot, elonim v'tachtonim, liyot lo dira v'tachtonim. Le Tania nous dit que le but de la création, c'est de créer une demeure à Hachem ici-bas. Dans la matière, c'est-à-dire que lorsqu'on invite Hachem dans nos demeures, lorsqu'on invite Hachem dans nos actions, finalement, nos actions, on les imprègne de Kedusha. On permet à Hachem de les... On les imprègne de Kedusha, ça c'est le but. Et pour terminer sur une petite histoire qui va parfaitement illustrer ce qu'on vient de dire, il y a un très grand rabbin à Yerushalayim qui s'appelait Rabbi Yosef Zonenfeld, donc c'était un des grands rabbinim de Yerushalayim. Lorsqu'il avançait donc dans ses jours, il a dit à sa femme, toi je sais que tu auras un très grand olam haba. Je sais que tu auras un très grand olam haba. Toute ta vie, tu as œuvré pour la Torah, pour les mitzvot. Il dit, lorsque tu arriveras là-haut, moi je ne sais pas si j'aurai un olam haba aussi grand que toi. La Gemara le dit, la Gemara dit, Gdolav Dara Shiftira, donc c'était un très grand rabbin. Mais il dit, je ne sais pas si j'aurai autant que toi. Alors c'est pour ça que je te demande, il lui dit, dis au Bedin Shelmala, mon Gan Eden ne sera parfait que si mon mari est avec moi. Grâce à ça, je serai. Grâce à ça, je veux. Ça, c'est, donc ça, c'est la grandeur dans la femme juive qui sait créer cette demeure à l'image de Sarah, à l'image de Rivka, à l'image de Sarah, à l'image de Rivka, qui ont su créer un petit Mishkan. Ce petit Mishkan, comment on le fait? L'éclat du Shabbat qui va rejaillir dans nos actions. Et c'est ça qui va les imprégner de bracha. La bracha shuruya ba'issa. Comment une pâte, pour qu'elle se reproduise, il faut qu'elle soit vivante. Et comment elle est vivante?
on lui injecte la vie comment? On lui injecte la vie lorsque, dans notre perspective, on lui donne une orientation qu'Hachem souhaite qu'on lui donne. On lui donne la vie. Tout ce qui est vivant se reproduit. Il y a un shefa et la bracha. Ça, c'est ce qu'a su faire Sarah, Rivka, sur leur tente. C'est ce qu'a su faire la Shunamite. C'est pour ça que, de façon miraculeuse, Hachem est intervenu. C'est cet événement qu'a plaidé Chizkia pour être guéri de façon aussi miraculeuse. Parce que celui qui offre la vie au monde, la vie, c'est en imprégnant, en permettant à Hachem d'imprégner toute la matière, il offre la vie au monde. Celui qui offre la vie au monde, Hachem lui offre la vie. Hachem lui offre la vie de façon miraculeuse. Yehi Ratzon que toujours cette chayout, cette vitalité avec laquelle on va imprégner toutes nos actions sera toujours une vitalité très productive et qu'on mérite varikoti lachem bracha ad blidai.